Revolution. Bonjour à tous et merci de regarder donc cette vidéo. On va voir deux petites astuces pour agrandir les lettres de notre clavier, et ceci donc sans jailbreak, sans logiciel supplémentaire. On va pouvoir grossir notre clavier sur l'écran et être plus à l'aise au niveau de la saisie. Alors ceci, ça peut être très intéressant pour les seniors, pour les personnes en difficulté visuelle, les personnes malvoyantes. Et je vais vous montrer donc ces deux astuces, comment les activer sans problème. Merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. De liker la vidéo et bien sûr de la partager si vous avez dans vos connaissances des personnes avec malheureusement des difficultés visuelles. Cette vidéo pourra vraiment les aider au niveau donc de la saisie. Par exemple sur Note. Note. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Action disponible. Champ de texte. Modification en cours. Ici, je vous montre le clavier classique de l'iPhone. Et maintenant, avec la première astuce, vous allez voir que ce clavier aura une toute nouvelle allure. Allez, c'est parti pour les deux astuces. On va tout d'abord se rendre Note. Dans Réglages. Réglages. Une fois dans Réglages, on entre. On va donc se diriger sur Général. Général. Bouton. Sélection. Une fois dans Général, on va se diriger sur Accessibilité. Accessibilité. Bouton. Accessibilité, on entre. Dans Accessibilité, vous allez chercher Clavier. C'est tout en bas. Siri. Bouton. 3D Touch. Touchez pour réactiver Clavier. Bouton. Clavier, bouton. On entre à l'intérieur. Accessibilité. Ici, dans clavier. Clavier, en tête. Clavier virtuel, en tête. Lettres en minuscules, activé. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Lettres en minuscules. Ici, vous allez décocher cette case pour justement bénéficier de grandes lettres sur votre clavier. Désactivé. Ici, on a désactivé. On va revenir donc sur l'application Note et vérifier notre clavier. Réglage. Note. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Note. Après avoir décoché cette case, donc je répète, dans Réglage, Général, Accessibilité, Clavier, on retrouve un clavier avec des grands caractères. Et pour les personnes malvoyantes, ça peut vraiment donner un grand coup de pouce pour justement voir sur son clavier. Alors, il vous semble que ces lettres sont en majuscules, elles le sont, mais lorsqu'on le marque, comme vous pouvez voir, ces lettres sont vraiment grossies. Je vous le mets ici en très gros sur l'écran. O-O-N-N. Bonjour. Voilà donc la première astuce pour changer le clavier en gros caractères et être plus à l'aise pour les personnes malvoyantes. Allez donc, on passe à la seconde astuce, c'est parti. Pour la deuxième astuce, on va tout simplement encore se diriger dans Réglage. Réglage. Une fois dans Réglage, vous allez vous diriger dans Général, Luminosité et Affichage. Luminosité et Affichage, c'est très important, c'est ici que le réglage va se faire. On rentre. Sélection Luminosité et Affichage. Réglage. On va descendre jusqu'à entendre Zoom de l'écran, en tête. Zoom de l'écran, ici c'est super important. On passe dessous. Affichage, normal, bouton. On est sur un affichage normal. On rentre. Sélectionner, zoom de l'écran, normal, bouton, 1 sur 2. Comme vous pouvez voir ici, l'affichage normal est classique. Agrandi, bouton, 2 sur 2. Nous ce qu'on va demander c'est que l'affichage soit agrandi. Sélectionné, agrandi, 2 sur 2. Vous avez vu une différence sur l'écran. Annuler, bouton, définir, bouton. Et lorsqu'on va définir, il va nous demander de redémarrer. Définir, avertissement, l'iPhone redémarre si le zoom de l'écran est modifié. Utiliser agrandi, bouton. Et on va lui demander d'utiliser agrandi. L'iPhone redémarre. Utilise. VoiceOver activé. Comme vous pouvez voir ici sur l'écran, tout est agrandi. Les icônes, tout s'est mis à être plus grand.
un affichage qui va permettre à des personnes avec des difficultés visuelles de voir vraiment mieux sur l'écran en termes des icônes. Et ici, si on va sur Notes, vous allez voir, une fois dans Notes, on peut s'apercevoir que notre clavier est là encore agrandi. Voilà donc pour ces deux petites astuces qui, j'espère, vont aider beaucoup de gens. Deux petites astuces pour agrandir les lettres de votre clavier, aider les seniors, les personnes malvoyantes ayant des difficultés de saisie sur leur clavier iPhone. Sur ma chaîne, vous trouvez beaucoup de vidéos sur l'accessibilité. J'espère qu'elles pourront aider beaucoup de gens. Je vous dis donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez aussi donc à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !